Le pitch, et on a du coup l'Europe dont tu as très bien parlé jusqu'à un an. C'est un match-up où on va avoir encore une fois la combo food hein, du côté d'Europe. Ouais. Mais par contre, le mouvement où tu vas être dans les airs et tout, tu vas pouvoir éviter un petit peu bah, justement toute la pression que Pidge va pouvoir appliquer avec son float. C'est pas dégueu en vrai comme match-up. Je sais pas qui devrait gagner, mais pour l'instant, ça commence directement avec un gros smash comme ça. Nature sans sauce, 7%, 18%. Bon, voilà, le ton est un peu donné. Alors on va voir comment ça se passe. Du côté de Peach, on va essayer d'utiliser Turn Up, mais à distance, c'est pas le projectile le plus menaçant. Par contre, dès qu'on est au cac, voilà, ça commence à faire mal. On va trouver Don Tro. Ah, il a peut-être tenté une extension et raté son input. Ouais, le problème de Peach, c'est que niveau technique, bah, c'est à des lieux de beaucoup de persos du casse, donc c'est difficile. Ouais, et là, par contre, on dort un petit peu sur le landing. Hein. On se prend le gros laser chargé et les pourcents viennent de monter de manière assez drastique. On est déjà à 100% sur cette première stock, 47% du côté drop. Ah, non, il est super bien dans la game hein, pour l'instant. Franchement, il est tranquille à la théma. Bon, on drop le ledge trap ici avec la toupie, mais il a cross-up, il a spot dodge down smash sur ce cher Orex qui a du coup perdu sa première stock. Ici, par contre, on a une tentative de très très joli combo de la part de la Peach. On va maintenir Anathema près du coin. Il y a malheureusement maintenant plus beaucoup d'options de kill à 100% sur Rob. C'est vraiment un personnage qui est trop lourd pour ça. Ouais, après, au niveau du sol, comme ça, il y a quelque chose qu'on peut voir très régulièrement au niveau de ce que fait Orex. Il a deux types d'approche. La première type d'approche, c'est qu'il va venir chercher un grab et on a vu du coup le spot dodge et tout down smash qui a très bien marché tout à l'heure. Ou alors, il va partir sur un floaty. Et là, le Turnip s'est fait retourner contre Rex, et donc j'étais juste en train de finir sur ça. C'est que, genre, en gros, du coup, c'est assez facile pour Anathema de comprendre exactement comment Rex va l'approcher. Et si jamais il met pas d'ambiguïté, des petits mix-up sur juste l'approche et tout, bah Anathema il va continuer à déballer ce qu'il fait. Et tu vois clairement que là, déjà 141% sur la première stock, déjà 100% sur la stock de Rex. Bon, par contre, il y a des très jolis combos, mais on est quand même sur un style d'approche encore assez télégraphé, assez normal quoi, du côté de Peach. Ouais, ça va être un peu compliqué sur cette lancée là. Ici, on va approcher avec un full up flow de fer qui va donner pardon. Derrière, on met quelques dégâts supplémentaires. Côté Anathema, on arrive un peu moins à cacher les approches quand même de Orex qui prend un peu son temps. Ici, on va réussir à donner encore une fois à hauteur de full up. Et franchement, tu disais, les approches sont pas mal catchées, mais là, il s'en sort pas trop mal. Effectivement, ils s'en sortent pas mal, mais bon, les pourcents sont quand même super hauts, donc là il faut absolument qu'ils ne fassent plus d'erreurs, qu'ils continuent à appliquer une certaine pression sur le gros rob, parce que bon, 48%, je crois que t'as encore 2-3 combos qui existent, là le mix-up exactement, 50-50, bon DI par contre sur le upper, on rappelle qu'il y a un des coups les plus fumés par contre sur la DI, c'est toujours un peu random, on va voir qu'est-ce qu'il nous fait, pression sur le shield, on évite le down slash, on punit avec un back air, fine I guess. 160%, c'est un peu trop de rage, je pense que t'as beaucoup de combos qui marchent plus à cause de ça. Ouais, malheureusement ici ça va être compliqué. Rob à 60, mais pitch full rage, ça va être galère, mais on a quand même un Rob, qui a son adversaire à portée de main, le nerf qui touche, qui tue sans problème. Et donc du coup on a la pitch de nouveau sans rage, mais qui est un peu malmené ici par Anathema. On a vu Anathema faire des combos en 2v2 de type 0 to death, donc attention quand même. Non, effectivement, et puis on sait qu'il est capable de le faire, on l'a vu. Oh, pardon. Oh, j'aime pas ça. Oh les chiens, ils t'ont pas aimé ça, mais bon, écoute, c'était plus pas très mal quand même dans l'histoire. Toujours une stock d'avance ici sur Anathema qui a bien réussi à gérer la pression malgré cette grosse bombe dans les mains de Orex. On continue à grimper les pourcents et là Orex il fait un peu brouillon quand même. On va finir ça avec un splash. Ça met les pourcents, ça permet de gagner le contrôle du terrain, de mettre une pression par en dessous. Est-ce qu'il va continuer à trouver au moins un kill peut-être là-dessus? Il arrive à. Oh, j'aime pas ça, ok, nickel, malheureusement là, bon, c'est vraiment bien. Ouais, non, c'était un peu tendu ici. On a réussi quand même finalement à atterrir des deux côtés. Peach ici qui va avoir une petite phase de juggle. Malheureusement, on se déplace pas assez vite pour venir choper ce Rob. Ici, la turnip qui va pas passer. Est-ce qu'on peut trouver un kill là-dessus? Il faut juste un forward air. Mais on fiche un petit peu fort. Le back air quand même qui touche la cible. Et il lui faut encore une fois un forward air. Mais son adversaire fait gaffe. Anathema fait gaffe. Et il n'y a pas de kill throw malheureusement sur cette pitch. Malheureusement, ici, la back throw pour essayer de tuer. Mais encore, là voilà. Ok, bien vu. Bien, enfin, j'ai eu un peu peur. La DI a failli bien marcher. Malheureusement, ça ne suffira pas ici. 94% sur cette stock. On va essayer encore une fois à faire 50-50. Voilà, classico. Ouais. Est-ce que ça meurt? Bonne DI. À nouveau, je respecte. Là, vraiment, franchement, GG là-dessus. Mais par contre, le coup du snipe par la toupie, ça permettra derrière de relancer une situation de upper et de terminer ici, du coup, avec un 1-0 assez autoritaire quand même du côté d'Anathema, ne serait-ce que sur le contrôle du rythme de la game. Ouais, franchement, bon boulot. Bon boulot de la part d'Anathema là-dessus. Tu le disais, il a littéralement contrôlé la game. On a eu une piste qui, de toute façon, n'a pas pu faire partir des combos très si énormes que ça, malgré le fait qu'on soit face à l'un des persos qui est le plus combo foot du jeu. Donc, déjà de ce côté-là, si ça avance pas, on va avoir du mal à juste faire monter les portions du côté de la piste. De toute façon, on a eu Mutase et Lima plus tôt dans la journée on stream, donc on voit à quoi ça ressemble une pitch qui gère absolument sur ses combos. Et là, on doit s'en approcher un peu plus. J'espère bien, mais pour l'instant, encore une fois. C'est que la première game, on est sur un BO3, faut quand même s'adapter rapidement. Et mine de rien,
je pense qu'on a quand même 2-3 outils du côté d'Orex qui peuvent être de manière utilisés un peu de manière régulière. Je m'explique. À chaque fois qu'il partait pour sortir une turnip, il se prenait un laser dans la figure. Mm-hmm. C'est-à-dire que si jamais il augmente le nombre de fois où il va sortir pour aller chercher un turnip, bah, les lasers devraient être un peu moins puissants quand même dans l'histoire. Ouais. Et je pense que tu devrais peut-être justement saturer entre guillemets cette partie-là. À l'inverse, il semblerait qu'il a décidé de faire exactement l'inverse de ça, à savoir de partir sur un terrain un peu plus petit, Smashville. Mais du coup, ça implique qu'il est assez confiant sur son exécution et que, du coup, il va du coup essayer vraiment d'être bon là-dessus, quoi. Ouais, exactement. De toute façon, là, tu peux quand t'es dans un stage aussi petit, tu vas pas avoir besoin de galérer pour approcher. Par contre, le Stitch, non, deux Stitch en deux games, là franchement il deux force. Deux Stitch, hein. Une bombe, c'est bon, il a la balle quoi, on a compris. Aïe aïe aïe, bon au moins on s'en est sorti, on a réussi à prendre cette première stock d'Anathema de manière assez solide. Derrière il met une bonne pression sur le shield, mais ça va se faire finir quand même par un rob assez vénère d'avoir perdu cette première stock de cette manière. Don't tilt for there. Derrière il peut tuer sur une edge guard. On va trouver un backer là-dessus, le zombie. Il a essayé deux fois, trois fois. Ça a pas marché. Encore une fois il a pris 0%, donc pour l'instant la game est even, hein. Ouais. Donc il faut juste qu'il trouve un kill rapidement sans se prendre un seul combo, parce qu'on sait que ça monte très très vite les pourcents du côté de Peach. On va voir un petit peu s'il est capable de trouver quelque chose ici. 138%, il respecte. Hein. Là il est vraiment loin, il utilise ses blasters, il utilise ses toupies, ses gyros. On essaie d'éviter ça, ça passe, le nerf qui va toucher en serve spot à la toute fin. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire maintenant? Ouais, on a toujours du l'impression, mal. Il a vraiment peur, hein. Il respecte tout. Par contre, voilà, on profite du fait que ben voilà, la hitbox de Rob est plutôt grosse. On met quand même 40% dans l'histoire. On va essayer de mettre une pression ici, ça ne passera pas. 110%, elle a bien mangé quand même, la pitch. Hein. Ouais, elle a bien mangé. Défi, il faut juste un petit neutral air pour en finir, et il le sait de son côté. Anathema, je pense qu'on va avoir de plus en plus de neutral air venir pop. Il va tenter backer, il va se faire choper par cette turnip into neutral air. Vraiment, les moindres là, dégâts, même c'est le que up, des le bonus, up throw, il tue là, voilà. Ah, c'est bon. Mais tu disais, moindres dégâts, c'est que des bonus, et là, les bonus. Mais quand même 60%, ouais. C'est pas rien. Ça équivaut un peu à un gros combo bien exécuté. Donc il peut se permettre de garder un peu d'énergie et pas avoir à le faire maintenant. Et puis voilà quoi. En plus de ça, il garde directement le contrôle du terrain. Il utilise le gyro contre ce Rob. Il arrive à le sniper, mais c'est parfait. Allez hop, on met un peu de pression en dehors du ledge. On continue à spammer les radis. C'est bien, il est dans une très très bonne situation. Là, il faut juste éviter de se faire attraper, parce que Rob, pour l'instant, on sait qu'il est capable de faire des douilles, notamment en ledge avec le side B. On a pris Smash vite, ça peut se retourner contre nous. Ouais, gyro en main, un Rob, c'est toujours assez effrayant. Pour le moment, il n'y a pas de gyro et il n'y a pas de contrôle du stage. De toute façon, on est en plein dehors. Ça fait deux fois qu'il revient de ses manières. Zomba, il surprend bien. Anathema, il surprend bien Orex en revenant, en attrapant le navet de l'adversaire. Et là, il reprend tout le contrôle en un instant. Il suffit maintenant d'une petite phase pour en finir avec cette Daisy. Peut-être s'il arrive à choper un side B près du ledge. Mais ici c'est simplement le backer, le petit coup de cul qui va permettre à Orex de se repositionner. Ouais, voilà, ça, mais dégage encore, on n'arrive pas à tuer, hein. On n'arrive pas à tuer, ça représente vraiment un peu ce qu'on a eu lors de la première game stock, hein. Mais inversement, cette fois-ci c'est vraiment Anathema qui est survie, et Orex a un peu de mal à tuer par rapport à tout à l'heure. Oh, la get up attaque, ça m'avait un frère. Oh, la dangerosité de la situation. Ok, il arrive à remixer un petit peu sa landing, c'est bien, mais frère, tu vas pas partir sur une get up attaque à 155%. Ouais. T'as tellement d'autres options, surtout avec Peach, tu peux flotter derrière et tout, pourquoi tu pars sur ça? Ouais, c'était un petit peu osé ici, en plus on va prendre le down smash full rage. Smash qui est trouvé. Ouais, et derrière, on a du coup une Daisy qui va devoir faire attention à où elle met les pieds. Il y a un Rob Giro en main et full rage. Donc, ouais, fais attention, il faut effectivement à ce que tu faire regardes. Très attention, parce que voilà, il va commencer à faire des commits avec ses backers. Peut-être un side B histoire de prendre un kill ici. Bon, frérot, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est une nouvelle méta. Oh non, par contre, il a fini au redonner alors que tous ses autres aériens tués. C'est vraiment dommage. Ok, le server spot ici qui ne tournera toujours pas à 189%. On ne tue toujours pas, ça sert à rien de tuer de toute façon, hein. Le upper qui va toucher ici, c'est surfait. Anathema qui est quand même dans une bonne situation là par rapport à tout à l'heure. F-Throw qui va tuer quand même, faut pas exagérer. Voilà, non, c'était limite. La bonne DI, hein, mais écoute, on va voir un petit peu ce qu'on est capable de faire maintenant. Down tilt, on spam, bonjour. Et bisous. Non, tu peux pas encore, Smashville, c'est pas les blast zones les plus proches du jeu. Et en revanche, hein. Le deuxième, il aurait été un peu plus dangereux. Attends, ça fait un petit peu peur. Il y a quand même du gaz à économiser ici. Je vois pas du tout la jauge de Rob. Non, c'est trop petit, mais il s'en sort plutôt bien pour l'instant. Encore une fois, on va voir un petit peu ce qu'il est capable de faire ici. Down throw into back air, quelque chose comme ça. Oh, le gros commit ici pour essayer d'avoir couvrir une petite roll in. Ça ne s'est pas fait. Les pourcents qui sont à even d'un côté comme de l'autre, on va faire des anti. Malheureusement, le shield est sorti. On arrive à éviter le nerf ici. Les deux se dansent autour. Ils respectent exactement toutes les situations. Dès qu'ils ont un whiff, ils se barrent. Ouais, il y a du reset. Whiff bar. Vraiment, il y a une précaution des deux côtés. On va réussir à trouver un down smash ici côté Anathema. Là, t'es off stage avec Daisy. T'es dans le coin. Tu prends un back air et c'est fini. Mais on va pas réussir à le trouver côté Anathema.
toute façon, on sait qu'elle va pas sauter cette Daisy. Elle ne peut pas se prendre du placard. Ici, elle saute, mais ça va se faire choper par une dash attack. On va essayer d'échapper le père du côté d'Anathema. Ça va passer. Ça prend la game. Très bien joué ici, de la part d'Anathema. Depuis tout à l'heure, il respectait vraiment les landings d'Orex. Il attendait qu'on soit bien plus bas pour commencer directement à l'attaquer et faire quelque chose quand on s'approchait du ledge. Cette fois-ci, il a bien vu qu'à chaque fois, on partait sur des recovery routes où il s'est rien passé. Il a décidé, cette fois, j'ai mix up. Je vais partir là-haut vite fait. Ça a surpris Orex. Il s'attendait réellement à repartir quelque chose comme ça au niveau un peu plus bas du terrain. Bien joué aux deux, en fait, au final, parce que Orex est très très bien tenu. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à tuer lors de cette deuxième sac, puisque c'est là où toute l'avance qu'il avait s'est fait retarder. Et on revient du coup sur le fait que quand tu commences à essayer de tuer quelqu'un, c'est bien d'essayer de le tuer avant 150%, sinon c'est un peu trop cuit, tu vois, la situation. Et tu commences réellement à perdre des interactions que tu aurais pu essayer de gagner un peu plus tôt. T'as plus rien qui connecte réellement proprement. Enfin, tu dois partir sur des gros commits.